attention avec cette passe à Moukoko Amalé. Moukoko, le centre de Moukoko. Et c'est pour les dangereux, Matobo Moubalou. Matobo face à Talatala. Matobo va tenter de percer. Il prend son temps. Le centre, Djoumeko qui s'illustre. Et qui est fou à la bas. C'est très bien. Kipa, Kipoutou à la bas pour longtemps. Dieu merci, Moukoko Amalé. Le centre, comme d'habitude. La tête de Djoumeko. Piqueo Djoudi passif. Et la balle renvoyée par le poteau. Essayez, voilà, de prendre ses marques. Moukefou, la passe de Moukefou à Djoumeko Maxwell. La frappe en ras du sol de Djoumeko Maxwell. Israël Ekofo qui va tenter d'accélérer. Elton Kaembe qui arrive à talonner pour son coéquipier. Moukoko Amalé comme d'habitude avec ses centres. C'est pour Matobo Moubalou. Matobo face à Talatala. Matobo. Le centre des Matobo, la tête. Cette fois c'est au fond. Et ça paye cash à Djoumeko Maxwell. L'ouverture du score des football clubs, les Aigles du Congo. Très bon centre des Matobo et la tête de Djoumeko à la conclusion. Du Congo face aux Salésiens de Don Bosco. C'est ça dont on parle. Djoumeko au centre est toujours la bonne détente de la part de Djoumeko. Je disais, pardon, Matobo au centre. Toujours la bonne détente de la part de Djoumeko et toujours pas d'agressivité défensive de la part des Salésiens parce que là, il est libre de tout marquage. Il y a deux joueurs qui sont autour de lui, mais il a quand même tous les temps. Fou pour Fiston Boabo, l'ancien de l'US, Chikuku Sangabilembi. Et c'est donc la pause. Coco. Moukefou, la passe de Moukefou à Djoumeko Maxwell. De la tête pour trouver donc le dangereux Matobo Moubalou. Matobo face à Talatala. Il va accélérer Matobo, le centre des Matobo. Ils sont un peu plus confiants, mais ils sont. Voilà, ils se heurtent à une défense. La remise, la mauvaise remise de Kimpoutou, il y a faute. Monsieur l'arbitre, penalty pour. Logiquement. Les Aigles du Congo, oui. L'arbitre estime la même chose parce qu'il n'y a pas de carton rouge. Là, il avait devancé en pleine course le défenseur qui n'a pas eu autre choix que de les faucher. Et de la manière la plus bizarre possible, parce que Djoumeko Maxwell devant Ike Uchudi. Il va donc s'élancer. Djoumeko Maxwell, il est allé du bon côté. Ike Uchudi, il regrette énormément, mais Djoumeko a pu bien loger sa balle dans la cage des Salésiens. 2 pour l'équipe quinoise, 0 pour la formation louchoise de Don Bosco. Des chances d'envoyer, de repousser les ballons. Et là, c'est très bien tiré de la part de Djoumeko. Tout au fond, tout au coin, du côté droit pardon, du gardien. Ça permet à l'équipe des Aigles du Congo de compter 2 buts d'avance dans cette partie. Gino Mavungu. Parce que Mavungu, ça arrive. Attention, comment il peut louper cette occasion. Il n'y a pas cru. Mais il n'arrive pas. Il n'y a pas cru apparemment parce que voilà, bon, ils vont quand même bénéficier d'un corner. La balle au cœur de jeu, les Salésiens avec un Mbouloulou. Attention, il y a donc Mavungu qui est décalé. La passe pour Mavungu dans la surface. Mavungu qui frappe. Pourquoi pas démettre la tête. Kikoma qui soulève la balle. Et Tom Kaembe. C'est bloqué par Tom Kaembe Moujanaï. Le contrôle des Mpouloulou. Mpouloulou qui donne à Mavungu Junior qui loupe sa frappe. Il ne force pas trop. Wango Mbabu. La passe de Wango à Kikwama. Kikwama dans la surface, le centre de Kikwama. Et c'est terminé. Une première victoire du FC Les Aigles du Congo au stade des Martyrs, bien sûr.